Coucou mes choupchoups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très très bien, je suis super contente de vous retrouver pour la suite du Secret d'Henri. Alors je suis habillée comme mercredi, c'est pas que je suis une crapou qui ne se change pas, non c'est que je tourne le même jour. Hein. Et oui, des fois on tourne deux vidéos le même jour, c'est ça la vie de youtubeur, n'est-ce pas? Alors allons-y, on retrouve notre petite Leïla qui est toute perturbée chez elle avec des photos d'animaux d'Afrique. Ça plairait beaucoup à mes beaux-parents ça, on irait à l'intérieur chez mes beaux-parents, c'est très joli. Donc, allons-y, reprenons cette histoire. C'est fou que Clément ait pu croire que je m'intéresserais à un mec comme Nathan. Oh, c'est un mec, écoute, il est pas allé chercher bien loin, hein. J'aime bien les beaux gosses, mais pas ceux qui se regardent le nombril. Eh hey, meuf, mais décolère du truc, c'est bon. Il te plaît pas, il te plaît pas. Je pense que je l'ai vu pire qu'il l'était parce que t'as l'esprit occupé chez un autre homme. Si tu vois ce que je veux dire, hein. Toujours est-il que je n'arrive pas à oublier cette histoire avec Henri. Moi qui pensais que je pouvais facilement tourner la page, comment se fait-il que je prenne ça tellement à cœur? Il a blessé mon amour-propre, ok, mais quand même! Peut-être qu'il a touché quelque chose de plus profond que ça. Oh maman, t'es plus petite que nous, c'est trop mignon! Ça va ma chérie? Bien sûr! Pourquoi tu dis ça? Ah non, hein, pas encore une fille qui ne parle pas à sa mère, pitié! Tu m'as l'air vraiment pensive. Maman s'assoit à côté de moi sur le canapé. Elle paraît inquiète. Oh mince, ça se voit tant que ça! Quelqu'un t'embête au lycée? On te veut du mal? Oh non, 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 elle flippe pas comme ça, Mamou, ne te quitte pas, c'est rien. Non, non, non! C'est à propos d'un garçon? Oui, non, enfin, pas tout à fait. Comment ça? J'ai piqué sa curiosité. Elle se fait du souci pour moi. Oui, ou elle aime bien les potins aussi, hein. C'est ce gars, Henri. Qui est Henri? C'est le premier de ma classe, le genre qui sait tout sur tout, grandes lunettes, blond, l'arrêt sur le côté. Il est à lui seul tous les clichés de l'élève modèle. C'est le garçon dont parlait Alex la dernière fois pendant le repas. Celui que tu as aidé, c'est ça? En plus, elle écoute. Oh, ça, c'est une bonne maman, ça. Oh, la vache. Bravo pour avoir tout. C'est pas simple de retenir, hein, les potins. Oui. Et donc, si j'ai bien compris, c'est celui qui n'a pas voulu ton aide, c'est ça? Pourtant, je me suis juste interposée parce qu'il se faisait embêter par une bande de débiles. C'est-à-dire interposer. J'ai plaqué un dégât contre le mur, je lui ai fait une clé de bras. Leïla. Quoi? C'était pas pour ça les cours d'arts martiaux? Le Viet Vo Dao est une discipline qui t'entraîne vers la maîtrise de soi et non vers la violence. Maman nous remet notre place, elle a raison. Oh, tu n'as donc rien retenu des cours? Mon intervention n'a pas l'air de la ravir, mais je sens qu'elle se contient. Elle veut entendre la suite de mon histoire. Oh, papa, avec sa perruque, c'est pas... Non, parce que ça, c'est pas poivre et sel. Il y a quelqu'un qui m'a dit, poivre et sel, c'est gris. Tu vois, c'est mi-noir, mi-blanc, t'as des mèches. Là, il a une perruque rousse sur des cheveux gris. C'est pas poivre et sel, ça. Nana. Elle n'est pas la seule. Papa nous a entendu parler. Il n'aime pas me savoir malheureuse, alors il rejoint la conversation. Ouais, il aime pas sortir hors du coup, surtout. Hein. Alex est arrivé à ce moment-là. Il a fait fuir le groupe, puis il est reparti. C'est là qu'Henri a décidé de me balancer dans le coin de la figure que je devais arrêter tout ça. Arrêter avec ma pitié, de lui rôder autour, etc. Autant dire que je l'ai mal pris et que je l'ai envoyé sur les roses, bien comme il faut. Maman regarde papa. Et depuis, tu regrettes tes mots? Tiens, j'avais pas pensé à ça. Hein? Ah mais non, attends, meuf, t'as pas été méchante. Bon, un peu, t'as été sèche quoi, en même temps, il a été abusé lui. Je m'en étais tenue à ma colère et je n'ai pas pensé à l'impact de mes propres mots. J'avais pas pensé à ça. Ça fait des jours que je suis terriblement mal à l'aise, que je ne sais pas où regarder. Je me force à l'ignorer et je fais la forte. Mais je suis trop en colère contre lui. J'ai seulement voulu être sympa, aider quelqu'un qui avait des ennuis. Il avait peut-être ses raisons de ne pas vouloir d'aide. Enfin, c'est pas une raison, hein. Oui, peut-être. Sûrement même. Je pense que tu cherches à lui faire endosser le mauvais rôle, alors que toi aussi tu es fautive. Ah, vous êtes durs les parents, hein. Mais oui, d'accord, ok, bon, j'accepte le côté charlingage du truc, oui, d'accord, bon. Il faut savoir se remettre en question, ma fille. Attends, elle allait l'aider, qu'est-ce que Non, mais... Pff, franchement, bon, ok, moi je suis d'accord pour aller lui parler, tu vois, genre, au fait, on s'est peut-être mal compris, ou je n'ai pas t'excuser, elle a rien dit. Si? Ou alors je perds la tête, je sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'elle a été si... Je me prends cette remarque comme une gifle. Oui, bah en même temps, le père, il manque de tact, hein.
Je suis secouée, je crois qu'ils ont raison. Ce que j'ai dit à Henri ce soir-là ne me ressemble pas. D'accord, d'accord. Tellement pas. Ok, il a réagi comme un abruti, mais j'avais pas de raison d'en faire autant. Ça me va, ça me va. Je suis certes toujours blessée dans mon ego, cependant j'ai la sensation d'avoir un point en moins. Ah, mais c'est ça quand on parle à ses parents! Quand on raconte ses soucis à ses parents, ils s'en vont à pas de géant! Mes parents voient mon visage s'apaiser, mais ils continuent à me regarder avec insistance. Ça c'est bien, elle parle avec ses parents, dis donc. Oh, j'adore cette fille! Cette fille est vraiment parfaite, hein. Ça veut dire que je dois m'excuser? Ah oui, je crois bien que oui. Mec, tu sais même pas ce qui s'est passé! Mais il a été tellement odieux avec moi! Peut-être, mais ça c'est son problème. Tu comprends ce que je veux dire? Un peu trop sage pour moi, papa, hein? Oh là là, déjà que j'ai pas envie de lui parler, qu'il sait pas aligner trois mots. Laisse tomber si je dois lui présenter mes excuses, ça va être drôle encore cette histoire. Maman me prend dans ses bras. Tu as toujours été très juste dans ce que tu fais. Il faut continuer, ma chérie. C'est tellement l'éducation à la famille Ingalls. Oh, j'ai tellement envie de faire pareil avec mes enfants. Bon, peut-être pas non plus. Bah, moi, dans le cas de Henri, je suis pas sûre d'être aussi sympa. Hein, mais bon, j'aime bien ce côté-là, un peu moral et tout. Ce jeune homme a été dur et certainement très maladroit avec toi. Il n'est pas à l'aise avec tout ça. Essaie d'être indulgente. Oui, ça va te tendre l'autre joue aussi un moment. Attends, ça fait deux fois Hélène, il a même pas dit merci. C'est quoi ça aussi J'ai les parents les plus cools et les plus sages de l'univers. C'est pas faux. Les plus sages que moi, en tout cas. Hein. Merci, maman. Merci, papa. Je crois que ça va mieux et que j'y vois plus clair. J'aurais dû vous parler de ça depuis le début. Oh, toujours. Au moins, elle a pas trop traîné, c'est déjà bien. Oui. D'ailleurs, pourquoi tu ne l'as pas fait? Eh ben, tu sais, c'est toujours délicat de parler de ces choses-là. J'étais pas très fière d'avoir été remballée et de m'être emportée comme ça. Je me suis un peu voilé la face en disant que tout irait mieux, mais ça n'a pas été le cas. Il est toujours en boucle dans ma tête. Mais dis-moi, ne serais-tu pas amoureuse de ce garçon par hasard? Avec maman, on parle toujours de ce sujet très sérieusement. Ah! Je rougis. Pourquoi d'ailleurs? On se le demande. Bah tiens, tous les choups-choups se le demandent, voyons. Non, non! Oh, si tu le voyais, tu comprendrais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si rédhibitoire? Il est si moche que ça? Je me surprends à réfléchir à cette remarque. Pas vraiment, en fait. Disons qu'il ne fait rien pour s'arranger. Il fait tout pour être le plus transparent possible, vous voyez? Je peux difficilement tomber amoureuse de quelqu'un comme ça. Je ne dis pas que celui qu'il me faut doit être le plus populaire. Mais quoi, alors? Ils l'atteignent bien, les parents, ils sont bons, hein? Bah, je sais pas, moi. Déjà, Henri n'a pas de conversation. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Ne t'en fais pas, ma fille, j'ai compris. Il ne te plaît tout simplement pas. Je te rappelle, chérie, qu'au tout début, je ne te plaisais pas du tout, hein. Ma mère sourit tendrement à mon père. Oui, c'est bien vrai, tu étais l'opposé de mon idéal. En plus, elle avait déjà un petit ami à l'époque. Maman! Arrêtez avec vos histoires! Eh oui! Mais comment a-t-il fait pour te séduire? Ton père a su se montrer patient. Il me faisait rire et il était différent des autres. En plus d'être gentil, il était intelligent. Il est rapidement devenu mon ami. Et puis, il me regardait comme si j'étais ce qu'il y avait de plus beau sur Terre. Oh, c'est tellement mignon! On oublie Henri, on se concentre sur les parents, hein, franchement. L'amitié s'est transformée en amour. J'ai quitté l'autre et je me suis jetée dans les bras de ton père. Depuis, elle ne le regrette pas. Je vois ça. Ils sont trop mignons. T'as vu, tellement! Je me lève. Merci encore à vous deux de m'avoir écouté. Je les embrasse. Je vais me coucher. Bonne nuit, ma chérie. Dors bien, ma puce. Oh, c'est tellement les parents parfaits. Bonne nuit à tous les deux. Je ne sais pas du tout comment parler à Henri. Même si j'ai compris mon erreur, je suis toujours un peu contrariée. Je suis têtue quand je veux, hein. Bienvenue au club. Bah, elle l'est moins que moi déjà. Enfin, je sais pas. Non, je sais quand ma mère, elle disait des trucs pareils à l'époque, je le faisais, mais fallait le temps des fois. Hein. Tu sais, tu camberges, hein. Je le cherche quand même des yeux. Bah tiens! Bingo! Il est contre un mur, à l'écart. Cette fois-ci, il a troqué son livre contre un téléphone qu'il consulte tranquillement. C'est moi que tu cherches? T'as une chemise sur ta veste. C'est Clément, ton style est original aujourd'hui. Hein. Hé, tu m'as fait peur! C'est Henri que tu regardes comme ça? Mince alors, on lit vraiment à moi comme dans un livre ouvert. Oh, elle est belle, mais Jasmine est magnifique tous les jours! On dirait bien que oui!
En fait, je crois que j'aimerais bien m'excuser. Quoi ? Tu déconnes, Leïla ? Tu continues ton rôle de Mère Teresa ? C'est pas faux aussi, hein. Juste, rassure-moi, tu sais que tu vas te prendre une veste, pas vrai ? Bien sûr qu'elle le sait. Leïla, c'est très sage de ta part, tant que tu sais à quoi t'attendre. Surtout si c'est la solution pour que je retrouve ma copine d'avant, moi ça me va. Jasmine me sourit en guise de soutien. On est bien entourés quand même, hein. Clément nous regarde l'une après l'autre, complètement largués. il est mignon, il est brave. Je ne peux vraiment rien lui cacher à mon amie. Elle a vu mon malaise de ces derniers jours malgré tous mes efforts pour le dissimuler. Moi, je laisse tomber, hein. Je comprends que dalle de toute façon. Comment comptes-tu t'y prendre ? Ah ouais, ça m'intéresse. Alors Leïla, vends-nous du rêve. J'en ai aucune idée en fait. Le truc, c'est que je suis quand même toujours en colère. Mais je dois m'excuser. Oh, je vais pas m'en sortir ! Jasmine prend mes deux mains dans les siennes. Oh, c'est tellement chou ! Ne t'en fais pas, je suis sûre que tu trouveras le bon moment. Ne te pose pas trop de questions pour l'instant. Et puis, tu le sais bien, tu peux te faire tous les plans que tu veux dans ta jolie tête, mais rien ne se déroulera comme tu l'avais imaginé. Les paroles de Jasmine me rassurent. Je pense qu'il faut que je sois patiente. Elle a raison. Clément, quant à lui, a l'air déçu. Il aurait bien voulu me voir me planter une fois de plus. Bah tiens, sadique. Au fait, les filles, j'ai mon match vendredi soir. Ça vous dirait pas de jouer les pom-pom girls pour encourager votre meilleur pote ? Pom-pom girl, certainement pas. Mais on viendra. Ah, Leïla ! Oui, oui. Je regarde Henri. Absolument pas concentré, hein. Soudain, son téléphone se met à sonner. Je le vois regarder autour de lui comme s'il venait de recevoir un appel gênant et inapproprié. Il s'éloigne, mais en me décalant un peu, je l'ai toujours dans mon champ de vision. Elle le lâche pas, c'est un truc de ouf, hein. C'est bizarre. J'ai jamais vu Henri ainsi. Il a l'air complètement à son aise et différent. Il a donc de vrais amis, autres que ses livres, je précise. Des vrais gens, quoi, avec qui il parle. Il a même l'air de faire des phrases. Mon Dieu, quel spectacle ! Leïla, arrête d'être amère. Il va te parler aussi un jour, c'est obligé. D'ailleurs, toute son attitude change. Si on m'avait dit que je verrais ça un jour... Tu le connais depuis 3 jours en même temps. Hein. Hey, Leïla ! Tu nous écoutes ? Je me remets face à mes amis. Ah, oui ! Oui, quoi ? Avec Clément, on se disait à 17h30 au gymnase pour son match. Est-ce que c'est bon pour toi ? Oui, pas de souci. Je me retourne pour retrouver Henri dans mon champ de vision, mais il avait déjà disparu. Zut ! Ça va être le premier match de la saison. Avec l'équipe, on est surexcités. On a même fait une affiche. Un des gars gère bien ce genre de choses. Oui, Clément, je l'ai vu ton affiche. Je souris à mon ami. J'adore quand il se trouve dans cet état d'excitation. À ne pas sortir de son contexte, bien sûr. Mais sur cette affiche, si je me souviens bien, il y avait le nom de Théo. D'ailleurs, vous avez tous répondu en masse dans les commentaires, on est d'accord que Théo c'est pas rare du tout comme prénom, hein. La preuve, il y en a une d'entre vous, elle en a 6 dans sa classe. Je sais pas comment le profil fait, ça doit être ouf. Ça m'était complètement sorti de la tête, mais peut-être que Clément le connaît. Dis Clément, le Théo dans ton équipe de basket, est-ce que tu le connais bien? Oh, pourquoi? Il t'intéresse? Détends-toi, mec! Il me lance un de ses regards plein de sous-entendus. Je lève les yeux au ciel. Ah, mais non, c'est juste pour savoir. Bon, tu le connais bien, oui ou non? Bof, il est nouveau cette année, donc à part sur le terrain, je l'ai jamais parlé. Demande plutôt à Nathan, il parle avec tout le monde, lui. C'est peut-être pas indispensable, non? Je n'ai pas trouvé d'occasion pour aborder Henri, ni ce matin, ni à midi. C'est bien ma veine, je sais vraiment pas du tout comment je dois m'y prendre dans cette histoire. D'ailleurs, on dirait bien qu'il n'est pas là cet après-midi. Pourtant, il avait l'air de bien aller ce matin, même très bien. La prof commence par faire l'appel. Henri, oui. Oh, c'est Madame Casanolia. Je prends mon accent. Henri ? Il n'est pas là, madame. Oh oui, c'est vrai, on m'avait prévenu. Je me demande bien ce qui lui est arrivé. J'espère que vous travaillez tous activement sur votre devoir maison. J'ai toujours mon mélange d'anglais et d'allemand, hein, on juge pas. Hein. Je vous rappelle qu'il faudrait me le rendre bientôt. Si on considère les regards baissés dans la classe, j'en déduis qu'il n'y a pas grand monde qui s'est penché sur le sujet. Jasmine me donne un léger coup de coude et m'incite à lire un petit mot qu'elle vient de griffonner sur son cahier. Ça dit qu'on fasse les devoirs ce soir? Je réponds juste en dessous de son message. Carrément, petit cœur. Et me revoilà. Oui, alors
il y a un changement de temporalité, hein. Nous sommes 2 jours après la première partie de cette vidéo, mais comme j'ai vu que les 2 scènes étaient très courtes, ça faisait à peu près 15 minutes de tournage, je me suis dit que j'allais faire cette 2e partie. Bon, la vidéo sera sans doute un peu plus longue, on doit être pas loin des 30 minutes à la fin. C'est pas grave, hein, après tout, on est passé avec des épisodes d'amour sucré à 1h30. Ce n'est pas ça qui va nous faire peur. Non, puis bon, faut que j'avance aussi, quoi, parce que j'ai pas envie d'y passer 10 ans sur ce jeu. Donc, allons-y, on continue. C'était bien parti pour Leila et Henri. Je crois que c'est top pour que ça continue. Ah, qu'ils restent raisonnables, les deux. C'est bien. Qu'est-ce qu'elle a été longue, cette journée. Ah oui, donc là, il faut qu'ils aillent bosser l'anglais. M'en parle pas. Sérieusement, être enfermé en cours alors qu'il fait si beau, l'automne arrive bientôt, on ne pourra plus trop profiter de boire un coup ainsi en terrasse. Il y a le temps, maintenant il fait beau jusqu'en octobre alors. En effet, les feuilles des arbres commencent à perdre leur couleur verte d'été pour petit à petit devenir marron, jaune, rouge. C'est poétique, mais on s'en fout. C'est triste de voir l'été s'en aller ainsi. Je n'aime pas trop l'automne. Oh, c'est beau l'automne! Le froid arrive toujours trop vite. Mais c'est bien le froid! Non, c'est après Noël que c'est chiant. Après Noël, je suis d'accord. Moi, s'il pouvait refaire beau, genre c'est le printemps dès janvier, je serais bien, je serais contente. Mais aussi, c'est cool de s'enrouler dans un plaid sur le canapé, une bonne BD à la main et un chocolat chaud. Oui, tu vas pas nous faire les avantages de chaque saison, meuf, c'est bon, on a compris. Heureusement que Jay est là pour égayer mon après-midi. Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Il a montré ses fesses, cette fois-ci? Clément, toujours le tact, hein. Le tact, c'est la base. Hein. Oula, elle va mal le prendre, hein. Tu as vraiment un problème, toi, hein? Quoi? Avoue qu'il aime bien jouer à l'exhibitionniste, ton chanteur. Je ne vois même pas pourquoi je parle de Jay avec toi. C'est toi qui as commencé, hein, je te signale. Toujours pareil entre ces deux-là, ils se cherchent constamment. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je veux savoir, moi. Ma copine me sert son sourire le plus éblouissant. Oula! Elle fouille dans son sac, en sort son téléphone et cherche sur internet la nouvelle photo de Narcisse sur sa page perso. Il était sur un plateau télé cet après-midi. Il a posté cette photo, c'est trop mignon! Clément fait mine de remuer les glaçons de son soda, très absorbé par le contenu de son verre. Elle me tend son téléphone. Jay pose avec 2 jeunes filles qui doivent avoir 10 ans à tout casser. Il s'est accroupi entre les 2 fillettes pour être à leur hauteur. Elles sont radieuses et trop heureuses de poser avec leur star préférée. Jay, quant à lui, chaque bras autour d'elle, arbore un sourire charmeur. Ce même sourire qu'il doit offrir à tous ceux et celles qui réclament une photo. Ni trop peu pour paraître constipé, ni trop béat pour paraître niais. Bref, il maîtrise le sujet, ça ne laisse aucun doute. Clément ne peut s'empêcher de jeter un œil sur le côté dans ma direction pour regarder le contenu du téléphone. Bah tiens! Mais laisse-la fantasmer, mec! Pff, elles ont pas plus de 10 ans, quoi. Un public de gamines. Je suis carrément conquis. Mais arrête, tu vas la froisser pour de bon, hein. T'es vraiment trop bête, hein. Bah oui, voilà, voilà. Tu devrais m'écouter, hein. Elle va pas faire ton devoir d'anglais, c'est ce que tu vas gagner, hein. Est-ce qu'au moins vous avez un peu regardé le contenu du devoir d'anglais? On se regarde avec Clément. Son visage affiche la même expression que la mienne. Jasmine traduit sans difficulté. Ok, vous ne faites vraiment aucun effort. Mais si! C'est juste que... Avec Leila, on n'a vraiment rien compris. On a essayé pourtant. Hein, Leila? Oui, oui, oui! On dirait Ron et Harry avec Hermione, tu sais. La seule fois où j'ai regardé ce fichu devoir, c'était quand la prof venait de nous le faire passer. Et après, c'est top de pas être bonne en anglais, forcément, si elle regarde même pas ses devoirs. Oh, ça m'énerve, j'aime pas ça, j'aime pas, j'aime pas. Tu te plains d'un truc et tu fais rien pour l'améliorer. C'est mon côté maman, ça y est. Je vous préviens, je ne ferai pas ce devoir à votre place. Nous allons le faire ensemble. Ok, chef, à vos ordres, chef. Jasmine se détend et ne peut s'empêcher de sourire. Alors, je suis désolée, l'affichage lag, hein, donc c'est normal si vous voyez par saccade les animations. C'est très très lent le jeu aujourd'hui, donc moi au montage ça va être l'extase. Il y a des moments comme ça. Nous sommes toutes les deux sur le lit de mon ami. Clément s'est installé par terre. Il dit que ça fait trop soirée pyjama entre filles s'il s'assied avec nous. Il essaie encore de conserver, comme il peut, un brin de virilité. Nous avons passé pas moins de 2 heures sur ce devoir. Jasmine n'avait pas menti, elle ne nous a pas laissé copier son travail. Cependant, elle nous a été d'une grande aide. Ses explications et traductions ont été bénéfiques. Grâce à elle, on a pu s'en sortir avec Clément. Ah, voilà une bonne chose de faite! Jasmine s'étire, satisfaite de son travail, de son devoir et de nous. C'est une bonne prof. T'assures grave, Jasmine. Je pose mon stylo et m'étire à mon tour, les jambes engourdies d'avoir gardé la même position depuis plus d'une heure. Mes yeux s'attardent sur les vernis à ongles posés sur sa coiffeuse. Ça y est, c'est parti! Oh, ils sont nouveaux ceux-là! Je fais un signe de tête en direction des vernis. Oui! Ma mère me les a ramenés d'une boutique en ville, faut trop que tu vois ça! Je sens que ça va vite sous les Clément, je sais pas pourquoi, une intuition. Ah mince, j'ai déjà du vernis.
Ah bah oui, bah du coup ça empêche, hein. Eh oh, je suis encore là, je vous signale. C'est bon, ça lag plus. Yes. Non, parce que moi, niveau montage, sinon c'est très très chiant. Hein. Vous n'allez pas vous faire les ongles maintenant, hein. Rassurez-moi. Mais non, Clément, on le sait, ne t'inquiète pas. Jamais quand tu es avec nous. Ouais, ça me paraît mal barré, cette histoire. Bon, ça empêche pas, ils peuvent papoter en même temps. Moi, le nombre de fois où j'ai fait ma manucure quand il y avait les potes à la maison... En effet, Jasmine avait déjà ramené ses 5 nouveaux vernis qu'elle étale sur le lit. Je te montre les couleurs là-dessus, je peux? Elle prend ma feuille de brouillon où j'avais rédigé mon devoir avant de le mettre au propre. Oui, vas-y. Jasmine trace alors des bandes de vernis sur les zones de ma feuille où je n'avais rien écrit. Regarde un peu ces couleurs. Waouh! Et toutes celles qui vont dire « Ah, elles sont tellement superficielles, franchement, c'est du vernis !» Eh, toutes les youtubeuses de nail art ou de machin, vous croyez qu'entre copines, elles parlent de quoi, hein? Bah attends, c'est une passion comme une autre, hein. Ouais, bon, je vais faire des pompes et quelques abdos et je reviens. Eh, grincheux, c'est bon, on a fini, voilà. Et si tu continues à râler, je mets les chansons de Jay à fond dans la chambre. Tu n'oserais pas. Tu paries? Oh, elle est bien habillée, dis donc. Les jours ont passé, mais je n'ai toujours pas trouvé le courage d'aller parler à Henri. Il y a bien eu quelques tentatives, mais je me suis toujours dégonflée au dernier moment. Pourtant, il est là, à 2 mètres de moi, en train de lire son livre. Tu vas y arriver, ma Leïla, j'ai confiance. Le cours de français terminé, on attend l'arrivée de Madame Casanolia dans la classe. Heureusement qu'on voit, on voit qu'elle comme prof, quoi, c'est trop marrant. Comme d'habitude, c'est la foire entre deux cours. Elle est belle aussi, mais elles sont belles les deux, hein. Regarde, Leïla, Jay vient de poster cette vidéo. Elle me tend son téléphone et se serre près de moi pour qu'on puisse regarder ensemble. J'appuie sur play. Visiblement, il a décidé de reprendre une de ses vieilles chansons en acoustique au piano. Grâce à Jasmine, je connais assez bien le morceau original. Pour le coup, on ne dirait plus du tout la même chanson. C'est bien, c'est une bonne idée. Bravo, Jay. Je m'en fous un peu, hein, mais bon. Oh, qu'est-ce qu'il chante bien! Je dois bien avouer qu'il gère le bougre. Ah tiens, Jessica! Mais elle nous manquait presque! Ça veut dire qu'elle va revenir dans la miniature, ça. Bah attends. Non mais, vous regardez une vidéo de Jay? Oh la biatch, mais qui se tient comme ça, on dirait une pintade? Le dégoût se lit sur son visage, mais de toute façon, tout la dégoûte tant que c'est pas elle en fait, donc bon... Ne me dis pas que tu continues de vénérer cette star pour gamine, Jasmine! Si, et alors? Je te ferai remarquer qu'il chante pour un public bien plus large que tu ne le crois. Comment tu te vois la face, pauvre? Ses copines gloussent derrière elle. Décidément, ici, pour être drôle, il faut être médisant. Ça, je crois que c'est partout, malheureusement. Hein. À nous d'être plus malins et de ne pas rire dans ces cas-là. Nous, on n'écoute pas ce genre de daube. Je me lève. Wouhou! On va se faire une petite Jessica au dîner. Il y a de quoi faire, en plus, niveau cucu pour le dîner, c'est bien. Mais de quoi je me mêle, Jessica? J'adore quand elle s'énerve. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ta copine sait pas se défendre toute seule? Après tout, c'est le dégoût qui craigne, en quoi ça te regarde? Moi aussi j'apprécie la musique de Jay. Certes, pas autant que Jasmine, mais tu n'as pas à dire que sa musique c'est de la daube. Je dis bien ce que je veux. Je suis dans un pays où il y a la liberté d'expression, je te signale. Alors ça, la liberté d'expression pour être méchant, non, non. Moi aussi dans ce cas-là j'ai la liberté d'agir et de te foutre la tête dans un pot de crème fraîche. Non mais attends, voilà, hein, tu vois. Elle me regarde de haut, fière de sa réplique. Je te le concède. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Laisse tomber, Chloé. Tu peux bien dire ce que tu veux. Dans ce cas, moi aussi. Je ne tolère pas que tu nous insultes, mon ami et moi, parce qu'on aime un artiste que toi, tu n'apprécies pas. Soit dit en passant, je suis sûre que tu craches ton venin sans vraie raison valable. Ce mec, s'il en est arrivé là, c'est qu'il a dû bosser comme un malade. Il a un vrai talent. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une autre histoire. Mais ce gars, à l'heure qu'il est, à notre âge, il a déjà fait le tour du monde, a vécu des expériences incroyables, fait rêver des millions de gens, vit de sa passion et ne manque certainement de rien. Rien que pour ça, je lui tire mon chapeau. Mais cette meuf est tellement parfaite, c'est tellement applicable à YouTube. C'est chaud, hein, mais c'est tellement ça, genre, ah non mais toi tu suis lui, mais c'est tellement YouTubeur pour les gamines, mais tu sais, mais t'es tellement... En fait, dès qu'il y a du succès quelque part, t'as des rageux, quoi. Alors laisse-nous l'apprécier en paix, sans t'entendre baver sur son compte à chaque fois que tu nous vois. Passe à autre chose, ça doit être épuisant pour toi de critiquer à longueur de temps. Oh, mais je ne fais pas critiquer. T'inventes ma vie, là. Bien, alors t'as plus qu'à montrer que j'ai tort. Et passe ton chemin.
Jessica ouvre la bouche pour répliquer, cherchant ses mots. En vain. Petite victoire. Yes! Je regarde en direction d'Henri. C'est presque devenu automatique chez moi. Alors que je m'attendais à voir son dos, je le trouve pratiquement tourné vers nous. Ah, il nous écoute! Il écoutait notre altercation. Il croise mon regard. Est-ce qu'on va avoir un sourire? C'est à ce moment-là que Madame Casanolia entre dans la classe. On va jamais y arriver! Henri se retourne. On a essayé. Oh, elle est toute petite! D'habitude, on l'a en gros plan. Good afternoon, everyone. Sorry, I'm late. Mon accent est toujours... on va pas en parler, hein. Tu m'as jamais dit tout ça à moi quand je me fous de la gueule de Jay. Oh, toi, c'est pas pareil. T'es mignon. C'est du portable, ça, regarde. Ça t'excite en cours. Moi, mignon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, de voir comme tu es jaloux de Jay si Jasmine en fait trop. N'importe quoi. C'est juste que j'aime bien la taquiner. Elle en fait des caisses avec lui. Tu as été génial. Hé hé, petit cœur. Je crois qu'avec ça, elle ne viendra plus nous embêter. Oula! Ou du moins, sur ce sujet-là, je crois bien qu'elle trouvera autre chose. Ah bah ça, toujours, hein. Les relous, toujours. T'occupe pas d'elle, ça ira. Ouais, ok. En tout cas, merci. Ah, l'amitié, c'est fait pour ça. Petit clin d'œil. Mademoiselle Leila, est-ce que je peux vous aider? Oups, je range vite mon téléphone. Genre, là là, non, non, tout va bien. Désolée, madame. C'est pas moi. Oh là, c'est du gros plan. L'automne est vraiment là. C'est parti pour une nouvelle journée sous la pluie, c'est déprimant. Leila, t'es prête? Oui, grand frère, il est beau. Oui, j'arrive. On le voit ou pas? Moi, je vais voir Alex, hein. Ah, il est beau, hein, il est beau, je l'aime bien. Eh ben, j'ai pas eu à t'appeler 15 fois, on progresse. Comme quoi, tout arrive. Surtout qu'avec cette pluie dehors, je ne voulais pas prendre le risque de te rater et d'attendre mon bus. C'était donc ça, la motivation? Je crois bien que oui. Ah oui, il fait vraiment tant de cul, là. Oula! Alors, ça fait longtemps que je t'ai pas vu jouer au super-héros. Ah, arrête avec ça. Au moins, ça t'aura servi de leçon. Je ne crois pas, non. Comment ça? Bah, si quelqu'un a besoin de moi, je vois pas pourquoi je resterai les bras ballants. Tu dis ça, mais tout aussi stupide que tu es, je suis sûre que tu ferais pareil que moi dans ce genre de situation. Ouais, ça reste à prouver. Mais oui, le fera, c'est mon petit Alex! Alex Souné! J'en mettrai ma main à couper. Ouais. Au fait, tu sais quoi? Un pote va me prêter aujourd'hui Ultime Fantasy 18. Oula, ça doit être bien. Oh, tu déconnes! Ce jeu est en rupture depuis des semaines, depuis sa sortie, comment il l'a eu? Faut croire qu'il a réussi à obtenir une précommande à temps. Oh, j'ai hâte d'essayer ça. Ce soir? Ouais, ce soir. Ils sont mignons tous les deux. Oh non, zut! À 17h30, j'ai promis d'assister au match de Clément. C'est pas grave, t'inquiète, il va pas finir son match à minuit. On aura le temps d'y jouer un peu quand même. Je t'attendrai, t'en fais pas. Oh, il est trop mignon! Super, merci. C'est cool pour une fois qu'ils aient pas fait une relation genre de grand frère méprisant envers sa petite sœur ou inversement, tu vois. T'as souvent dans les jeux comme ça, genre, oh, mon frère c'est un con, hein. Là, ils sont complices, y a pas de honte à ça, tu vois, et je trouve ça trop bien. Parce que, enfin, moi, je sais qu'avec mon frère, on a jamais eu cette relation de snob parce qu'il y en a un plus âgé que l'autre ou quoi. Enfin, y a pas d'âge pour être proche, quoi, je trouve ça super qu'ils soient complices comme ça. Je suis bien en avance aujourd'hui, comme à chaque fois, ou presque, que je viens avec Alex. Il pleut trop dehors, je peux pas attendre mes amis devant le lycée. Le hall est bondé, tout le monde a voulu se mettre à l'abri. Mais tu m'étonnes. Je préfère aller directement devant la classe pour être un peu plus au calme. Peut-être qu'on va voir Henri et pouvoir s'excuser? J'y crois, hein, j'y crois, hein, c'est... Ah bah tiens! Forcément, Henri est déjà là. Seul. Avec son livre. Certaines choses ne changent pas, hein. Bien entendu. Je reste à bonne distance de lui, j'ai pas envie de me prendre une remarque. Cela dit, toutes les conditions sont réunies pour que je lui parle enfin. Il m'a vu arriver. Il est visiblement mal à l'aise. Super. On a réussi l'exploit d'être encore plus gêné qu'avant. Déjà que la situation était pénible. Zut, on entend que ma sonnerie dans le couloir. Je cherche comme je peux mon téléphone dans le fouillis de mon sac. Faut que je pense à faire le tri là-dedans. Oui, bon alors là, je crois qu'on est toutes pareilles. Hein. Je suis désolée, c'est peut-être un cliché. Mais personnellement, moi, mon sac à main, ça a toujours été le foutoir intersidéral. Hein. Même si je sais que c'est peine perdue, ça fait 1000 ans que je dois le faire, ce tri. C'est trop marrant de voir que j'ai exactement les mêmes chemins de pensée que celui qui a écrit le jeu, en tout cas.
C'est à ce moment-là que ma boîte de crayons décide de prendre son indépendance et de tomber par terre. Elle fait un saut de l'ange magistral et s'écrase pathétiquement par terre. Les crayons se retrouvent éparpillés dans tout le couloir. Comment elle fait ? Non mais faut m'expliquer un moment comment elle fait. Hein. Zut, 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 zut ! Oh ! Il nous aide ! Le contact est établi ! Je me baisse pour ramasser ce joyeux bordel. Mon téléphone hurle toujours la dernière chanson de Mysteria dans le couloir désert. Henri se baisse presque en même temps que moi pour m'aider à ramasser. C'est bien ça ! T'as fait plaisir ! Oh, elle est toute rouge ! Oh, ça c'est du bizarre. Attends, ça c'est une tête à premier bisou. Hein. Bon là, ils vont certainement pas s'embrasser, mais c'est une tête à premier bisou. Hein. Choquée et rougissante, je lève les yeux vers lui. Ça donne un truc comme ça, tu sais, genre... C'est trop mignon ! Il est déconcentré à récupérer mes crayons étalés sur le sol. Il finit lui aussi par lever les yeux vers moi. Je ne détourne pas le regard, essayant de déceler un quelconque sentiment dans le sien. Il me regarde tout aussi intensément. Oh là 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 ! On se relève en même temps. Tiens. J'attrape doucement les crayons qu'il me tend. Oui ? Comme dans une comédie romantique, nos doigts se frôlent. Ah, c'est trop mignon ! Il retire sa main rapidement. Oui, bon, oui, bon. C'est, oui, bah oui, ah, on n'est pas dans une comédie romantique. Hein, bah. Merci. Il me fait un signe de tête entendu. Oh non ! Hé, hey, mais c'est mon pote Henri, tout seul avec Leila. Je les aime pas les survêtes, mais là il est pas en survêtes, non, il est habillé. Zut, mon occasion rêvée vient de s'envoler. Henri ne lui répond pas. Enzo ne s'en offusque même plus. Il sait bien qu'il n'arrivera pas à le faire parler. Salut poupée. M'en fous, elle a qu'à lui faire une clé de bras et il parlera plus alors. Enzo s'impose entre nous deux. Ça commence à me déranger, c'est ça. J'aime pas quand on force du contact, ça me stresse. Ah oui, d'accord, il... Ce soir, il y a une super soirée chez mon pote Kevin, ça te dit ? On pourrait faire la paix tous les deux là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis désolée, Enzo, mais je suis prise ce soir. Mon visage ne peut que trahir le dégoût que m'inspire sa proposition. Je pense qu'il manque le queue, c'est pour ça que j'ai dû le rajouter, mais... T'es sûr ? On va s'éclater pourtant, il y aura du bon son, de quoi boire et plein d'autres trucs terribles. Bien sûr, mais non. Non, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est vraiment pas t'amuser, hein? Allez, viens, je vais te montrer comment on s'éclate de nos jours. Alerte, alerte, alerte. Ah non, 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 qu'il dégage, j'aime pas ce mec. Alors qu'Enzo tente de me saisir par la taille, je vois une main se poser sur son épaule. Henri? Je crois qu'elle n'a pas envie d'y aller à ta soirée, ni de parler avec toi. Attends. Repositionnons-nous, d'accord? Il a dit plus de deux mots pour nous défendre. Et en plus, il est classe. En fait, c'est juste ça. Il avait juste envie de faire son mec devant nous. On l'a frustré parce qu'on a fait notre meuf. Et du coup, voilà, il avait un petit complexe d'infériorité. Oh là 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 là, Henri, mais c'est magnifique. Ma mâchoire vient de percuter le sol. J'imagine comme le loup dans Texas Rite, c'est genre... De quoi je me mêle, bouffon? C'est comme tu veux, mais là, tu es en train de te prendre un râteau. Il n'a pas tort. La sonnerie et sa foule d'élèves viennent arrêter le débat. Ah, tu étais là, on te cherchait partout. J'ai essayé de t'appeler, mais tu ne répondais pas. Ça y est, voilà les boulets. C'est bon, je m'arrache. Henri se retourne et replonge dans son livre, comme si rien ne s'était passé. Eh ben, je commençais à m'inquiéter. Jasmine, faut qu'on te raconte. Fallait pas. Je n'ose pas lui dire ce qu'il s'est passé. Mon cerveau n'a pas encore intégré ni digéré ces derniers événements. Elle va être tellement hystérique en plein milieu du coup à faire ah. C'est trop cool. Oh, bien habillée. Alors, tu es prêt pour ce soir? Et comment? Je suis à fond là. Je vais leur en mettre plein la vue. J'en doute pas une seule seconde. Je ne me suis toujours pas remise de ce qui s'est passé ce matin. Et je n'ai toujours pas parlé de l'intervention d'Henri à mes amis. J'ai envie de garder ça pour moi encore un petit peu. Juste un petit peu. Je sais pas comment tu fais, meuf. Mais oh, moi, dans un cas comme ça, mais c'était trop bien ça avec mes amis au lycée. Dès qu'on avait un moment avec un mec ou qu'il se passait un truc, on arrivait genre. Oh, tu sais pas ce qui s'est passé. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Bah non, le moment en lui-même est beau, tu vois. Mais après, quand tu le racontes à quelqu'un que tu aimes et qui est super content pour toi et que tu partages ta joie, c'est juste génial. C'est la deuxième fois que je peux le voir d'aussi près.
Ah oui, c'est... Sinon tu prends des jumelles, hein, ça marche aussi, hein. J'avais jamais fait attention à ses yeux. Elle est bien mordue, là, quand même, hein, c'est... Oula. Mais maintenant, je peux dire qu'ils sont magnifiques. On voit rarement du bleu de cette intensité-là. Leïla est mordue! Ah, bah, si on avait un doute, on l'a plus, hein. Leïla, t'es avec nous? Oui, bien sûr. En fait, non, pas vraiment. Désolée. En ce moment, je te trouve très distraite. Grave, moi aussi je l'ai remarqué. Qu'est-ce que t'as? Rien! Tu es sûre? Tu ne veux pas nous en parler? Jasmine, je t'assure que ça va, ne te fais pas de soucis pour moi. Ok? C'est toujours la tempête dehors, il pleut des cordes. Le hall est vraiment plein à craquer. Je constate que même Henri est là. C'est Henri qui te met dans cet état. Mince, grillé, je pense m'être attardée un peu trop en le regardant. Clément n'a pas relevé, il discute avec un coéquipier et sont tous les deux surexcités pour le match de ce soir. Comme d'habitude, je ne peux rien cacher à Jasmine. Ce matin, Enzo a été un peu trop insistant en essayant de m'inviter à une soirée. Et c'est Henri qui est intervenu. Ma copine est choquée, mais ravie. Redis-moi ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah rien, ça a sonné. Oh! Sur le banc à côté de moi, une petite de seconde est en train de se faire taquiner par deux gamins boutonneux. Oh, elle est mignonne! Apparemment gênée, je vois bien qu'elle essaye de rire à leur blague, mais elle est mal à l'aise et ne sait pas comment sortir de cette situation. Je regarde Jasmine. Elle comprend vite et me sourit. Je m'avance vers la jeune fille et m'assois à ses côtés. Je lui tapote doucement la jambe pour l'interpeller discrètement. Surprise, elle se retourne vers moi. Hein? Dis, ils t'embêtent ces deux-là? Non, non, t'en fais pas, ils sont dans ma classe, je les connais bien. Ils se la racontent, c'est tout. J'étais restée discrète pour ne pas la mettre mal à l'aise, mais je ne peux m'empêcher de les fixer droit dans les yeux. Mon regard en dit long, ça les refroidit aussi sec. Ils se regardent, puis sans un mot, ils prennent leurs affaires et s'en vont. Bon débarras, la petite a l'air rassurée. Je pense qu'elle avait peur que je fasse un scandale au milieu du hall, or la discrétion semble être ce qu'elle préfère. C'est bon, ils sont partis. Oui, je vois. Je m'appelle Leïla, et voici ma meilleure amie, Jasmine. Jasmine lui sourit. Elle a ce côté apaisant que j'adore et qui me rassure dans toutes les situations difficiles. Moi, je m'appelle Tiffany. Tu es en seconde, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous, on est en terminale. D'ailleurs, si un jour tu as un souci, n'hésite pas à venir nous voir. Leïla saura comment te sauver de n'importe quelle situation. N'exagère pas non plus, Jasmine. Mais je n'exagère pas du tout. Je vois Jasmine lancer un clin d'œil à Tiffany. Au fait, merci d'avoir voulu m'aider. C'est vraiment gentil de ta part. Brian et Mathieu ne sont pas vraiment méchants, mais quand les fortes têtes ne sont pas là, ils aiment bien jouer à ce genre de petits jeux. Ouais, ils sont complètement débiles, quoi. C'est bien ce que je disais. Oui, c'est vrai. Hey, mais fais voir! C'est une photo de Jay sur son porte-clés. Le regard de Tiffany s'illumine. Oh, je sais très bien ce que signifie ce regard. Tu connais? On est mal, on est très mal. Alors je veux juste revenir deux secondes. Ce qu'elle a fait, c'est parfait. Perso, moi je l'ai souvent fait en boîte, par exemple, quand tu vois une meuf qui est un peu bourrée et que le gars il insiste pour l'embrasser ou la coller contre un mur ou quoi. À chaque fois j'allais, je fais hey, ça va, ou tu sais, je la prends à part. Ou quand c'était vraiment de l'abus, le mec je le dégageais. Mais je sais que c'est un truc ça, j'ai souvent fait, même dans la rue. Il y a eu un moment où genre je marchais, t'as une fille qui marchait de l'autre côté. Elle fait excuse-moi, est-ce que je peux marcher à côté de toi? Il y a des mecs chelous qui sont dans la rue derrière et tout, je le sens pas. Et on a fait ensemble le chemin, tu vois. Enfin, entre meufs là-dessus, franchement, faut pas hésiter à intervenir de manière discrète, toujours un petit regard, un petit tu veux gêne ou un truc comme ça. Ça coûte rien et franchement, entre meufs, c'est une solidarité qu'on doit avoir. Parce que oui, il y a certains mecs qui se comportent comme des bêtes, hein, comme des cons, comme des voilà. Et entre meufs, voilà, c'est une solidarité que je trouve qui est importante. Donc encore une fois, je suis totalement d'accord avec Leïla. Bien sûr. Et on reprend avec le fangirlisme. C'est sa plus grande fan. Jasmine bombe la poitrine, pleine de fierté. Moi aussi! Et voilà comment se faire virer d'une conversation mode d'emploi! Je les regarde parler toutes les deux de leur star préférée. C'est attendrissant. Jasmine a enfin quelqu'un avec qui partager son admiration pour Jay. Leïla, on ne devrait pas traîner. Le match de Clément va bientôt commencer. On devrait y aller en avance si on veut avoir une bonne place. Je sais que tu as pour vocation d'arriver toujours en retard, mais notre ami compte sur nous. Elle était en avance ce matin, hein? Oui, chef. Et voilà! Cette fois-ci, on a fait.
fini. Alors là, je pense que vous pouvez pas dire que c'est un petit épisode. Hein. En tout, on a fait 5 scènes, il me semble, si j'ai bien compté. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Je trouve qu'on a bien bossé. Je garantis pas d'en faire 5, parce que là, en fait, j'ai eu. C'est le dimanche, enfin, le jour 7 où on peut en avoir 2 d'un coup. Donc je pense que j'essaierai d'en faire 4. Enfin, par semaine, j'aimerais bien, comme ça on avancerait un petit peu plus vite, parce que sinon j'ai peur qu'effectivement ce soit très 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 long. Bon, ça fait des vidéos un peu plus longues, mais dites-moi si vous préférez, enfin si ça vous dérange pas, si une vidéo de 30-40 minutes vous convient, ou si vous préférez le format 15 minutes, ce que je comprendrais aussi, hein. Donc dites-moi, voilà, je suis ouverte à votre question, je vous mets un petit sondage, et dites-moi en commentaire pour détailler davantage. En tout cas, j'ai passé un très bon moment, je trouve que c'est cool d'avoir ce petit développement entre les deux, c'est juste que Henri, voilà, il a pas l'habitude de causer aux gens, mais... on va y arriver, on va y arriver. Et je les trouve très touchants tous, autant qu'ils sont, donc j'aime vraiment bien ce jeu. Voilà, il développe mon côté maternel, puissance 8000. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort. À demain pour une prochaine vidéo, et bien sûr, en attendant, on n'oublie pas... Pouka Pouka Pouka.